tout plaqué pour commencer une nouvelle vie quête de sens, de bien-être, la reconversion Clément attire de plus en plus les travailleurs. Et changer de métier tout en étant payé, c'est possible grâce au projet de transition professionnelle, un dispositif de l'État porté par l'association Transition Pro. L'année dernière, rien qu'en Ile-de-France, 12 000 personnes ont par exemple pu changer de métier en conservant leur rémunération pendant leur formation grâce à cette aide, un mécanisme qui peut faire rêver même s'il y a tout de même quelques critères à remplir, Margot Fodéré. A 42 ans, Romain Deleu a passé la majeure partie de sa carrière dans le marketing. Il y a un an, il a décidé de tout plaquer pour devenir menuisier. Mais il n'aurait pas pu changer de métier sans l'aide de Transition Pro, l'association qui porte ce projet de transition professionnelle mis en place par l'État. J'ai pu maintenir mon salaire à hauteur de 90% de 3500 euros, qui était le salaire que, que je touchais en tant que responsable communication. Pendant un an, euh, ils ont non seulement maintenu mon salaire, mais en plus, ils ont financé ma formation. Ce soutien financier est non négligeable. 30 000 euros par projet de reconversion, mais il implique aussi certaines conditions, comme se reconvertir dans un métier dit porteur. Stéphane Mass est directeur de Transition Pro-Ile-de-France. Vous avez des secteurs tels que le sanitaire et social. Vous avez aussi les métiers de la petite enfance. Aujourd'hui, très clairement, on peut dire que le marché du travail est fortement en tension. Et que beaucoup d'entreprises ont du mal à recruter. En tout cas, le dispositif a de quoi intéresser. Près d'un Français sur deux envisage de changer d'emploi dans les prochaines années, selon Centre Info. Margot Fodéré du Service Économie d'Europe 1.